Suddenly pieces are back together now. What's your vision? Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Un nouveau tuto, une nouvelle astuce et aujourd'hui, pourquoi pas voir comment lancer via la reconnaissance vocale, via l'application Google Assistant et écouter toutes les radios du monde sur notre iPhone. Sans toucher à quoi que ce soit, on va simplement lui demander de lancer une radio et pouvoir l'écouter sur notre smartphone. Ce tuto est accessible avec les iPhones et tous les smartphones tournant sous Android, ainsi que les tablettes. Merci de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, qu'elle vous donnera envie de vous abonner si cela n'est pas déjà fait, de liker et de partager comme d'habitude avec vos amis. Les ingrédients pour utiliser ce tuto, il va donc vous falloir un petit smartphone ou une tablette. Il va vous falloir l'application Assistant, l'application Assistant qui, elle, va nous aider à lancer toutes ces radios du monde entier. Il va donc nous falloir aussi, pour ce tuto, l'application Tuning Radio. Tuning Radio. Une fois que vous avez réuni ces trois ingrédients, eh bien, on va pouvoir lancer le tuto. Allez donc, c'est parti. Lançons les radios du monde entier. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à maintenant. Et c'est parti pour le tuto. On va donc aller dans l'application Assistant. On loue. Assistant. Ouvrez vos éléments et découvrir. Bouton. Une fois l'assistant lancé, deux choses. Parfois, vous avez VoiceOver qui malheureusement se met dans votre iPhone et il reste dans l'haut-parleur de l'iPhone. Pour ceci, ma technique est de refermer l'application. Assistant. Désactiver VoiceOver. Trois tapes sur le bouton Home. VoiceOver désactivé. Trois fois sur le bouton marche arrêt pour ceux qui ont un iPhone 10. Vous relancez VoiceOver. VoiceOver actif. Et vous relancez. Assistant. 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 Tout en bas de l'application Assistant. Activez le micro. Bouton. On a un petit bouton qui est activer le micro. Soit on lance la commande magique qui est OK Google. Voilà, donc comme vous allez voir, on va pouvoir lancer une radio telle que OK Google. Écoutez Chérie FM. Bien sûr, voici Chérie sur TuneIn. On voit ici que l'application TuneIn s'ouvre toute seule. Fermé. Et va nous lancer instantanément Chérie FM. Ici, on va essayer avec une autre radio. Pour lancer l'assistant vocal sans lancer le mot-clé, on peut, lorsque VoiceOver est activé, faire un double tap et lancer la commande. Écoutez, ici Radio-Canada. Malheureusement, je ne sais pas encore faire FM. Écoutez, ici Radio-Canada, Montréal. Bien sûr, voici ici Radio-Canada, première sur TuneIn. Dans laquelle on n'a pas l'intention. TuneIn Radio, fermé, bouton. Monsieur Sébia ne sort pas publiquement souvent et les journalistes profitent de l'occasion pour lui poser plein de questions. Puis oui. Évidemment, il y avait les... Comme vous pouvez voir, on peut vraiment lancer beaucoup de radios. Ici, je vais vous en lancer une autre. Écoutez RCI Guadeloupe. Je mets en streaming RCI Live sur TuneIn. TuneIn Radio, fermé, favori, bouton. Voilà, donc comme vous avez pu vous apercevoir, si vous connaissez donc le nom des radios que vous voulez écouter, vous n'avez avec votre iPhone, votre smartphone ou votre tablette à lancer l'assistant Google sur votre smartphone et lui lancer la commande écouter. Pensez bien à installer l'application Tuning, pensez bien à liker, partager et vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous !